c'est pas encore. Bienvenue dans le concert intime ici aux Zèbres de Belleville. Bonsoir Grégory Turpin. Bonsoir Emmanuel. On sent qu'il y a du monde dans la salle. Ouais, on sent qu'il y a une bonne ambiance. On sent qu'il y a du monde sur scène aussi, hein. Et en plus, ce soir, c'est un peu une émission particulière parce que je me rappelle, la première émission, le premier concert intime que nous avons fait ensemble, c'était il y a plus d'un an. Eh bien, tu m'as dit, quand est-ce qu'on invite ? Les guetteurs. Les guetteurs. Ouais. Eh bien, c'est ce soir. C'est un peu tes chouchous. Je ne leur dis pas. Ah, bah pardon. Et voilà, on va passer une bonne soirée reggae. Merci, puis... alors, merci de ce cadeau. Parce qu'en fait, vous êtes mon cadeau, les gars. Il faut quand même que vous le sachiez. Les guetteurs, c'est vrai que ça fait un an qu'on les attend, mais en même temps, c'est normal, ils sont tellement demandés. Et exactement. Là, on arrive à les avoir à l'occasion de la sortie de leur deuxième album, Tatoué. Vous êtes chaud dans la salle ? Oui ! Alors, sur RCF et sur KTO, les guetteurs, c'est parti ! Jamais, jamais tu ne briseras nos rêves.
Merci beaucoup. Alors bienvenue à tous, on vous a déjà souhaité la bienvenue, mais je tenais à le dire au nom du groupe. Bienvenue à tous, merci d'être venus. Vous êtes même sur la balustrade, donc c'est super. Big up, big up. Il y a la famille un peu. Donc la prochaine chanson, elle s'appelle Exodus. Et donc la première qu'on a faite, c'était Nos rêves. Elle est dans notre prochain album qui va sortir début décembre. Et la prochaine, c'est Exodus, donc qui parle de l'exil de l'âme, mais également du corps. On connaît les chrétiens, ce qui se passe en Orient, qui ont dû quitter leur ville. C'est un peu dans l'actualité ces temps-ci avec la libération de la ville de Mossoul. On prie pour eux et on leur dédie cette chanson qui s'appelle Exodus, l'exil. One, two, one, two. Verrai-je la fin de l'année? Mon Dieu, je suis fatigué. J'ai tatoué ton nom sur mon bras droit pour me rappeler, lorsque mon souffle sera le dernier, que c'est par toi que je suis né. Exodus, l'as-tu décidé? Ma destinée, ma destinée, une vie d'exilée. Exodus, 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 oh, l'as-tu décidé? Décidé, ma destinée, ma destinée, une vie d'exilée. Thank you.
éviter un cordage de guitare. Parce qu'on fait les choses justement, nous. Et la prochaine chanson, elle s'appelle Redemption Dub. Donc ça, c'est pas du dernier album. Enfin, du prochain album, c'est une ancienne. Elle était de notre premier album, excusez-moi. Mais en fait, on l'a changé un petit peu. On s'est fait un petit kiff, du coup, on s'est dit on va la faire. Big up. Nous a sauvés de la mort et du péché. Je veux l'acclamer pour l'éternité. Il nous a sauvés de la mort et du péché. Il est ressuscité dans la gloire pour nous sauver. Il est mon sauveur, yeah, yeah. Mon rédempteur, yeah, yeah. Je suis guetteur, yeah, yeah. D'un libérateur, yeah, yeah. Il est mon sauveur, yeah, yeah. Mon rédempteur, yeah, yeah. Je suis guetteur, yeah, yeah. D'un libérateur, yeah, yeah. Oh, yeah. Redemption, redemption in pop. Redemption, redemption in reggae. Alors les mains, lève-toi. Allez, allez, montre que tu as des droits. Le combat est imminent. Alors les mains, prépare-toi. Pour le grand Dieu, le grand roi, le grand Dieu, Yeshua. Il est ton sauveur, ton rédempteur. Merci. Vous pouvez danser un peu, hein, je sais pas. Assis, c'est pas évident. En même temps, ils sont assis. Tu leur en demandes beaucoup, Mathieu. Donc, je vous présente Mathieu Beau.
Et d'ailleurs, Mathieu Beau va s'illustrer particulièrement dans la prochaine chanson, car il a une ligne de basse de folie. Et la prochaine chanson, c'est King of Love. C'est un peu notre chanson favorite à tous. Parce que voilà, là, maintenant, quand on l'a composée, on en était tous très très fiers. C'est Vince qui a même composé le refrain. Donc il en est très très fier. Donc encore une fois, c'est une chanson du premier album, mais je crois que c'est un peu le slogan du groupe, cette chanson. Elle s'appelle King of Love. Le roi d'amour. Pour ceux qui... Hey, on parle de Jésus quand même, pour ceux qui n'ont pas compris. Vas-y. Pas de fratoune. On parle de bébère. Vas-y. Pourquoi il regarde moi ? Pourquoi il regarde là-bas ? Ah oui, c'est bon, on fait comment ? Ok, d'accord, pardon. Okay. C'est lui le patron. Ok, vas-y les gars. C'est lui le patron. 1, 2, 3, et... pas ta science, crois-moi, j'en suis le roi. Devant moi, votre savoir est comparable à des lambeaux devant une robe d'apparat. Mais je vous aime, donc je me suis abaissé. Parce que je vous aime, je me suis humilié. J'aurais pu faire de cette terre un paradis, mais c'est le désert que vous avez choisi. Je vous avais pourtant supplié. J'ai pleuré de vous voir crier. À chaque coup porté, je t'assure, j'ai versé le sang de vos blessures. Et my son, my son, my name is King of Love. My son, my son, my name is King of Love. My son. Je t'ai donné la vie, puis je te connais depuis tout petit. Je t'ai vu pointer le doigt sur moi et dire papa j'ai besoin de toi. J'ai vu ta rage aussi, plus violente qu'un volcan Napoli. Je t'ai vu faire tes premiers pas, danser dans les bras de maman. Je te donnerai pas une vie rangée, mais je ferai tout pour que ta vie soit douce. Tu es la graine que j'ai plantée, et chaque jour je veille à ce que ça pousse. Et my son, my son, my son. Thank you.
Merci. Merci, on peut les applaudir encore plus fort que ça, franchement. Merci. Oh là là. Il en profite pour réaccorder sa guitare. Bah, tout va bien? Tout va bien, les garçons? Yeah. Ouais. Bien, ah, pourquoi vous vous déplacez? Parce qu'ils sont timides. Ah, c'est ça. Alors, Fratoun, je suis un peu gênée parce qu'il y en a un que tu ne nous as pas présenté. Et... Oh, Ludwig. Ah, Ludwig, bien sûr. Ludwig. Ah, je vous ai présenté tout le monde sauf Ludwig. Vous avez remarqué, vous aussi? Bah, c'est les premiers seront les derniers. Ludwig, 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 Ludwig. Alors, Ludwig, c'est le guitariste du groupe. Viens, mon petit. Viens, mon petit. C'est le guitariste du groupe. Mais pas des moindres. Guitariste, viens, mon petit. Voilà. Donc, Ludwig n'avait pas une représentation en règle, donc voilà. Voilà, de Ludwig Nestor, homme haïtien de 26 ans. Parle bien dans le micro. 25 26. 26. Voilà. D'accord. Vous allez tous passer les uns après les autres. Allez, Vince. Alors, Vince, on le connaît parce que Vince, on le voit avec Grégory Turpin, on le voit avec Alexia Rabé, on le voit à plein de monde. Et en plus, il prépare son album, Vince. Alors, on le présente comment? Vince, il a plusieurs noms. C'est mais le Mexicain nous... de Versailles, lui. Ouais, Versailles. Bah là, il habite plus trois Versailles, non? Non, Montmartre. Montmartre, du 18e. Pardon, Emmanuel. D'accord. J'en profite bien devant vers les caméras pour connaître un peu l'influence du bonnet sur votre musique, en fait. Je peux l'enlever aussi. C'est extrêmement sérieux, le bonnet. Hein. Non, mais en fait, laisse-le. Non, je vais le garder. Attends, d'habitude, tu te laisses pas faire au punchline d'Emmanuel. Hein. Ouais, je le garde. Alors, on se connaît depuis que les Guetteurs sont nés. Hein, c'était 2014. 2013. Avec, tu peux partir, Vince, merci. Avec Mathieu, viens ici. Avec le premier album, Les Guerriers Pacifiques. Guerriers Pacifiques, très exactement. Oui. Et avec ce nouvel album qui s'appelle Mathieu, s'il vous plaît. Yeah. Mathieu Beau. Mathieu. Beau. Alias Double P. Pardon. Double. Ouais, c'est des surnoms, c'est des double pics. Ouais, c'est marrant parce que vous voyez tout ce qui se passe entre eux quand ils sont sur scène, dans leur regard, on sent qu'il y a plein de private jokes qui passent auxquels nous n'avons pas accès, mais qui participent à l'ambiance quand même. C'est mystère, c'est mystère. En général, c'est des pains, du coup. On rigole, il vaut bien rire. Initialement, je suis montée sur cette scène avec 4 minutes d'interview pour vous demander pourquoi tatouer le dernier album, et il nous reste 1 minute 30 pour l'expliquer. Tatouer, alors oui, c'est un programme. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en février dernier, avec Vince, le batteur du groupe, on s'est rendu en Irak pour, avec une association qui s'appelle Fraternité en Irak. Et là-bas, en fait, on s'est rendu compte que les chrétiens, ils portaient leur foi jusque sur leur peau. Ils tatouaient généralement une croix ou parfois un chapelet pour les Peshmerga. Et du coup, ça nous a touchés. On s'est dit qu'on allait appeler l'album comme ça. Et aussi parce que c'est un titre qui englobe pas mal de choses. On parle pas juste que des tatouages de peau. On parle aussi des tatouages de l'âme et de ce qui est inscrit dans notre cœur. Et de fait, vous êtes fait tatouer ou pas? Enfin, question. Moi, j'ai pas de tatouage sur ma peau, en tout cas. Bon. D'accord. Une petite, voilà. Merci. C'est la musique. D'accord. Un autre tatouage quelque part? Non, vite, j'ai pas envie de savoir. Merci beaucoup. On va. Et voilà, il y a Guilhem qui est pas là, parce que là, il est pour ses études à Angers, donc gros big up. Ah, ben bah on pense à lui, on l'embrasse. La suite de ce concert, c'est encore un mélange des deux albums? Non, là, ça va être que le prochain. Ah ouais, donc ouais, on a un peu l'exclusivité, là. Exactement. Excellent, super, on les applaudit bien fort, Fratoun et toute son équipe. Alors, attendez. Psst, faut y aller. Ah oui, c'est vrai. Compliqué. Allez, on les applaudit bien fort, on les encourage. C'est mes sapes. Merci Max. Spécial galet, c'est pour toi ça. Donc la prochaine, donc c'est une toute nouvelle, encore une fois, elle s'appelle Mess Up. Et Mess Up, c'est de l'anglais, ça veut dire mettre la pagaille, pour parler de manière courtoise. Voyons, on accorde beaucoup d'importance à l'accordage des guitares. C'est pour le bien de vos oreilles. Mess up, took it down, 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 down. Oh,
ça boy yo 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 yo. Oui, comme tout mess. Mess up, mess up, mess up, yeah. Mess up. Allez bébé, prépare-toi, on vient annoncer le roi des rois. Peu importe que tu sois fatigué, je lis dans tes pensées, t'as besoin de danser. Ne suis pas l'exemple de tous ces gens fanés, leur cœur est aussi sec qu'une tranche de pain cramé. Il faut de loin, on peut se dire, mat c'est taré. Ils prennent soin de vivre chaque jour comme le dernier. Oui, comme tu me. Mess up, mess up, mess up, mess up. Oui, come to mess. Mess up, mess up, mess up, oh yo yo yo. Oui, come to mess. Mess up, mess up, mess up, yeah. Mess up. Oui, come to mess. Mess up, mess up, mess up, mess up. Laisse aller, laisse aller, oh, hey. Laisse aller, tout peut s'éclairer, mais avant ça, faut que tu laisses aller toutes tes peines qui te freinent, vas-y, laisse-les. Et si la foudre frappe de toutes parts, laisse-les, pour que tes soucis ne te coulent pas, laisse-les. Et ouais, mon pote, je suis encore dans la rue, pas peur de la flotte, même que ça m'amuse. Souvent, je me dis que c'est pour ça que je suis né. Le diable, je l'évite, il veut m'éliminer. On vient foutre la pagaille dans tout le pays. On sera inarrêtable, Dieu est notre ami. Les grands de ce monde s'abaisseront devant le nom du roi de Sion. Oui, come to mess. Mess up, mess up, mess up, yeah. Yo yo yo. Oui, oui, come to mess. Mess up, mess up, mess up, mess up. Oui, come to mess. Mess up, mess up, mess up. We come to mess on Monday. We come to mess on Tuesday. We come to mess on Wednesday. It will be the same next day. Alors la prochaine, c'est une toute petite. Moi, c'est une chanson que j'aime particulièrement. C'est, je crois que c'est ma préférée. Non, c'est pas ma préférée, mais disons que c'est une petite chanson que j'apprécie grandement. Elle s'appelle Cache-Cache et elle parle justement de cette manie qu'a Dieu de confier de grandes tâches à de petites personnes. Je sais pas si vous avez vu Seigneur des Anneaux. Bah, l'anneau, il est donné à qui? Il est donné à un hobbit. Tout petit, un hobbit. Hein? C'est ça le message de la chanson. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Thank you.
l'as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, yeah, tu l'as caché au grand. Ne me juge pas même si j'ai l'air de rien. Tu ne sais pas ce que cache un lendemain. Ne louche pas sur mes trésors et mes biens. De tout ça, sache que rien ne m'appartient. Rends-moi petit malheur dans ce monde de géants. Ils ont des idées fausses et ils visent le néant. Comme les étoiles du ciel qui éclairent nos lunettes de miel. De la terre, elles ont taille humaine, mais elles sont grandes comme le soleil. La course n'est pas que pour les plus rapides. La guerre n'est pas réservée aux vaillants. Le cœur de Dieu, pas pour les tout petits, ceux qui nagent à contre-courant. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, yeah, tu l'as caché au grand. Nouvelle encore, celle-là s'appelle No Country for My Soul. Il n'y a pas de terre pour mon âme. Yeah. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. The more pain. Ils m'ont enlevé de ma famille, ils m'ont arraché. Et mes amis, ils me les ont volés. Mes habits, ils me les ont volés. Mais jamais ils n'auront mon âme. Non, jamais ils n'auront mon âme. J'ai dit jamais ils n'auront mon âme. J'ai dit jamais ils n'auront mon âme. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. Ils m'ont pris, ils m'ont attaché. Et de mes mains, ils m'ont séparé.
puis c'est mes pieds qu'ils ont coupés. Et ils riaient pendant que je leur criais que jamais ils n'auront mon âme. J'ai dit jamais ils n'auront mon âme. J'ai dit jamais ils n'auront mon âme. Oh non, jamais ils n'auront mon âme. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. There is no land, no country for my soul. Yeah. Ça va les garçons? C'est cool. Alors écoutez, on s'est mis d'accord avec les ingénieurs du son pour que vous approchiez tous de votre micro parce qu'en fait ça va être une interview à six voix. Allez okay. Hop, c'est parti. Ouais. Ça roule. Ouais. Bah si, bah, ouais. Ça veut dire qu'il y a toi dedans, Ludwig. Pardon, c'est vrai. Vous avez passé un bon moment? Oui. Ah bon? C'est tout? Vous avez passé un bon moment? Oui, voilà. Moi, je voulais juste commencer en disant que j'ai passé un excellent moment. Merci. Et c'est chouette de découvrir toutes ces nouvelles chansons. Et t'as quel âge, Fratoun? 22 ans. Tu vas te faire du mal, là, mon cher. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand Bob Marley est mort, j'avais un an. D'accord. Voilà. Moi, je dirais pas. Pourquoi le reggae? Pourquoi le reggae? Parce que, bah, déjà, c'est une réponse très simple. C'est que c'est une musique que j'écoute depuis mes 9-10 ans. Donc c'est une musique qui me berce depuis mon plus jeune âge. Et aussi parce que moi, ce qui m'a touché particulièrement dans cette musique, c'est la spiritualité qui en émane. C'est que il y a toujours le regard de Dieu dans cette musique. Il y a toujours une volonté de se mettre sous la coupole de Dieu. Et c'est une musique qui est très spirituelle et c'est pour ça que ça c'est venu naturellement en fait de parler de ma foi à travers cette musique, parce que c'est une musique qui est transcendante. C'est une musique de combat, en fait, le reggae. C'est une musique de combat, et c'est plus une musique de combat spirituel que de combat réellement révolutionnaire avec les mains, tu vois ce que je veux dire. C'est une musique plus d'émancipation spirituelle. Moi, je voulais juste te dire que je trouve que tu as beaucoup de talent. Et je trouve que dans l'église en particulier, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est... Surtout quand on voit un jeune arriver qui anime la messe ou autre, on est souvent à râler. Avec Vince, on a déjà vécu ça, où on le demande de baisser le son de la batterie, des trucs comme ça. On est toujours à voir ce qui ne va pas. Et moi, je suis un tout petit peu plus vieux que toi. Et je voulais juste te dire que ce que tu fais, ça fait du bien et qu'on a besoin de plein de gens comme toi. Merci. C'est un travail d'équipe, hein. Voilà, justement, j'allais y revenir. Comment vous vous organisez dans ce groupe? Donc, je sais qu'il y a un absent. Tiens, Mathieu, comment ça se passe dans ce groupe? Qui fait quoi? Comment? Tu as un micro ici, Mathieu. Vas-y, Mathieu. Je ne sais pas comment on s'en sert. Écoute, comment on fait? On essaye de se voir assez régulièrement pour répéter. On n'y arrive pas. Mais qui compose déjà? Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu tout le monde. Non, disons que nous, autour, on arrange un peu les idées de Fratoun. Et Fins fait les refrains. Ouais. Non, une fois. Ils sont très bien, les refrains de Fratoun. Non, quoi dire d'autre, à part que ça marche un peu comme un groupe normal. Pour évoluer, il faut jouer ensemble un maximum. Donc, c'est pas ce qui arrive, à part les concerts. Mais l'idée, on aimerait plus répéter, en fait. Mais... Voilà, mais vu qu'on est tous pris par des projets
divers et variés, très intéressants aussi. Mais c'est un super exercice entier. Le concert intime là, parce que de nous faire, c'est vrai qu'il manque notre ingé son Damien Hoppe et notre Damien Guilhem. Donc en fait on vous offre une répétition là. Ouais, c'est une répète là. Contrebasse, généralement Mathieu toi t'es là. Voilà, normalement c'est de la basse électrique, donc tous les trucs, hop, c'est vite fait, c'est facile, alors que là, j'en ai un petit peu sué. Juste pour expliquer, c'est que on demande, quand on vient faire le concert intime, on demande un exercice difficile pour les artistes, c'est vraiment d'adapter leur concert à une forme acoustique. Et du coup, parce voilà. que Vince, normalement, il a la batterie et il envoie du pâté. Tu vois. Là, on sentait que parfois, hey, tiens, c'était cool. Moi, j'apprécie particulièrement ces ambiances un peu tamisées. Et alors, attends, non, le cache pas. Pousse-toi. Ah oui. Il avait pas envie de parler, Ludwig. Je suis là. Il a toujours envie de parler. J'écoute la question. Je t'ai admiré à la guitare. Ah, c'est gentil. Ouais. Alors, comment ça se passe pour toi, le groupe? Comment tu le vis, cet album, déjà? En fait, ce choix du reggae aussi. En fait, à chaque fois que je fais une grosse déclaration d'amour, chaque fois que je suis sur scène avec les Gaiters, c'est vrai qu'à chaque fois, je me rends compte à quel point j'aime ces types. Parce qu'on passe vraiment... c'est difficile de passer des moments ensemble, Mathieu l'a dit. Mais effectivement, à chaque fois qu'on se rassemble, il se passe un truc qui fait qu'on se dit, bon, OK, c'est difficile, mais on continue quand même. L'histoire du groupe, elle est très, très belle. Je connais Fratoun depuis 2010. Et en fait, Mathieu est un super ami. On se connaît, on a fait le conservatoire ensemble. Et du coup, j'ai découvert Vince dans le groupe. Et du coup, il y a eu un truc tellement naturel avec Guilhem aussi. Là, le groupe, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? Les mots me manquent, vas-y. Dissension. Voilà. C'est une famille. En fait, ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que dans ce groupe, il y a toujours eu des... Il y a toujours eu des appels, je dirais, des petits coups de pouce de Dieu, moi je vois ça comme ça, ou de la Vierge Marie surtout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Ludwig, il est rentré dans le groupe en mars 2015, mais en fait, il a joué dans le groupe bien avant Mathieu ou Vince, parce qu'en fait, il a joué avec nous en 2011, à l'époque où on n'était que deux avec Guilhem, qui est au clavier, qui n'est pas là ce soir. Mais à l'époque, on écumait un peu les scènes et on n'était que deux et on demandait aux musiciens qui étaient là de jouer avec nous. Et un jour, on est arrivé, il y avait les Light Singers qui jouaient. Big up aux Light Singers. Et lui, c'était guitariste des Light Singers et j'ai dit, hey, viens, ramène-toi sur scène, on va jouer. Et du coup, ça c'était en 2011. Et du coup, en 2015, quand on a eu besoin d'un guitariste en plus, on a direct pensé à Ludwig, Nestor. Alors moi, je note donc que la Vierge Marie aime le reggae, donc ça déjà, je ne le savais pas. Donc merci de nous. Ouais, mais après, à mon avis, la Vierge Marie, elle aime beaucoup de choses. Hein. Et puis alors, c'était très drôle. Le métal aussi. Parce que tout à l'heure, Vince, il a dit, on parle beaucoup d'âme hein, quand même dans nos chansons. Hein. C'est sérieux. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, je suis à 100% d'accord avec chacune des paroles de Fratoun. C'est un jeune chanteur qui suit Jésus, qui le suit pas à pas. Et effectivement, il s'est tatoué l'âme. Moi, chacune de ses paroles, en particulier King of Love, pourquoi il a dit que c'est une chanson importante? C'est l'image du Père, de Dieu le Père qui moi quand je vois Fratoun, je vois vraiment Dieu le Père qui veille à ce que ça pousse sa petite graine et lui à son tour il sème des graines d'amour aussi. Fratoun, on s'envoie des roses là, c'est cool. C'est où le chèque après? Et ça vient du direct du cœur. Normalement je charrie un peu plus, mais là on est devant la télé, on va. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une vraie vie de groupe et on regrette l'absence de Guilhem, mais vraiment on l'embrasse. Mais je trouve, je ne sais pas comment vous le vivez dans le public, ça arrive jusqu'à nous. Hein. Je vous rassure, ça ne vient pas que sur scène, il se dégage quelque chose d'assez puissant. Et tu as remarqué qu'il parle aussi beaucoup de lions. Ah, ça, oui. Vous aimez les lions, hein? De Sion ou d'ailleurs. J'aime beaucoup les lions. Oui, j'ai remarqué aussi. Spécial casier à Open qui est à Lyon. Ça symbolise quoi le lion pour toi? Le lion, ça symbolise. Beaucoup de choses, hein. c'est l'animal, c'est le roi de la jungle. Ouais, alors on part de très très loin. C'est celui qui laisse chasser sa femelle déjà, à sa place, d'accord. Après, moi, là, tu me lances sur un sujet que je maîtrise parfaitement. C'est-à-dire, le lion, pour moi, je connais de A à Z, donc si tu veux, moi, je t'en parle pendant 10 minutes. Ok, non, on va s'arrêter là. Qui est le plus fort entre le tigre et le lion? Pour moi, c'est le lion. Tu vois. Le tigre, c'est un tueur, lion, c'est un combattant. Voilà. On ne parle pas assez de l'humour catholique, moi je trouve. Hein. Non mais c'est vrai, tu ne trouves pas vrai. On ne parle pas assez d'humour catholique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter les gars avant de terminer ce concert pour la sorte... Des concerts. Dans le micro. Des concerts. Et la prière. Vous priez avant de monter sur scène? Ouais, on prie tout le temps. Hein. Et en fait, les chansons, c'est des prières aussi. Parle dans le micro, toi. Pardon, il faut que je... Je vais citer saint Augustin qui disait que prier, que chanter, oui. C'est prier deux fois. Alors bim, on vous a dépassé de deux fois là. Ça y est, on a déjà prié plus que vous. Mais comme vous chantez aussi avec nous un peu, ben voilà. Mon père disait, nourrir les oiseaux, c'est prier trois fois.
Et nourrir des oiseaux qui chantent. Alors, 2 fois 3, 6. T'en chantant. T'en chantant. Après le Roi Lion, Mary Poppins, ok, c'est bon. Ok, on va les laisser reprendre la main sur scène. Tu voulais leur dire un dernier mot? Non, là, tout est dit, là, je crois. Vous voulez un petit rappel? Eh bien, réclamez-le. Allez, une petite dernière. Ça roule, c'était prévu, de toute façon. La prochaine, c'est une reprise de Bob Marley qu'on adapte à notre sauce. Il y en a un qui va te quitter. En français, quand même, au bout d'un moment, là. Vas-y. Guitare, je vous présente Ludwig Nestor. Qu'on appelle aussi The Haitian Skunk. Ce soir, nous avons Vicente Rodriguez Patiño. Thank you.
et à la contrebasse. Je vous prie de faire un accueil spectaculaire pour l'homme qu'on appelle Mathieu, aka double P. Beau! Du Zèbre de Belleville. On espère vous voir prochainement sur la route. On va faire plein de petits concerts pour notre prochain album là. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Big up. On vous rappelle la sortie de cet album Tatoué dans les bacs dans quelques jours. Allez voir les artistes sur scène, invitez-les en concert aussi. Exactement, invitez-les, ils se déplacent facilement. Et puis surtout, si vous voulez vous faire un beau cadeau ou faire un beau cadeau à quelqu'un pour Noël, ben, l'album Tatoué sera dans les bacs, donc n'hésitez pas à l'acheter. C'est une bonne manière de soutenir des jeunes qui s'engagent pour témoigner de leur foi. Et puis dis-donc, en parlant d'artistes sur scène, le dimanche 27 au Trianon, un certain, un certain Grégory Turpin est en concert l'après-midi et le soir. Allez voir Grégory Turpin en concert au Trianon. Vous y serez les guetteurs, bien sûr. Merci. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain concert intime. Merci, on les applaudit bien fort. Merci.